heden ten dagen is het niet meer voldoende om de verschillende veiligheidsfenomenen die er aanwezig zijn en criminaliteitsfenomenen enkel in eigen land aan te pakken. Door de globalisatie is het ook noodzakelijk dat wij als federale politie in het buitenland en in derde landen aanwezig zijn. We estimeren dat wij misschien een kleine crisis van vertrouwen tussen de forces de sécurité intérieure en de populatie. Et avec l'intervention de l'expertise belge, donc, il y a des stratégies d'approche qui nous permettent en tout cas de convaincre ces populations-là à s'approcher plus des services de sécurité, à travailler plus avec les services de sécurité pour qu'ensemble on puisse venir à bout de l'insécurité. En tout cas pour le bonheur de toute la population. In de landen zoals Benin en Burkina Faso engageren wij ons in tweeledige initiatieven. Dat is één, ontwikkelen van concepten, politieconcepten, waar wij ook in België de nodige ervaring mee hebben. Ik denk bijvoorbeeld in Burkina Faso in het ontwikkelen van een concept police de proximité in Centre-Est. Of de ontwikkeling van een concept police communautaire in Benin. Le fait d'abord de cibler, de nous faire d'abord exprimer nos besoins hein, en matière donc de formation, en matière donc de besoins de renforcement des capacités et faire venir les policiers belges qui ont déjà expérimenté ces difficultés pour venir nous former à acquérir des nouvelles compétences en la matière. Il n'y a pas un test où on peut appliquer pour être proche de la population. C'est un comportement. C'est un comportement. Et ce comportement, ceux qui ont déjà vécu des difficultés ont tiré une leçon qu'ils partagent avec nous pour ne pas tomber dans la même erreur. Ce partenariat, pour moi, est très fructueux et il vient à point nommé. Parce que, comme vous le savez, la police républicaine du Bénin est une institution très jeune. Elle date de 2018 seulement. C'est un bébé qu'il faut choyer, qu'il faut voir grandir. Ce bébé a besoin d'être accompagné, accompagné par des partenaires tels que la police fédérale belge. Et ce partenariat est venu à point nommé. Parce que ça prend en compte tous les domaines dans lesquels nous, on avait souhaité faire le partenariat, à savoir le rapprochement de notre institution des populations, c'est-à-dire le concept de police communautaire, toute la problématique liée à la criminalité informatique, financière et économique, toutes les problématiques également liées au renseignement territorial, autre problématique liée à la gestion des ressources humaines, mais également tout ce qui concerne l'administration et la communication. De urgente veiligheidsproblematiek in die landen, die ook een weerslag kan hebben op onze veiligheid, heeft ook dikwijls zijn wortels in andere structurele problemen. Zoals armoede, de spanningen tussen gemeenschappen, economische crisis en de laatste tijd ook absolute klimaatverandering. Dus dat betekent dat wij als politiedienst voorstander zijn van een integrale aanpak van die veiligheidsproblematiek, waarbij wij als federale politie ons richten op de kerntaken om die politiediensten te trachten laten optimaler te functioneren ten opzichte van hun eigen bevolking, maar ook dat wij aandacht kunnen hebben voor die waarden die wij ook als federale politie zeer belangrijk achten en waar Enable ook een zeer grote rol in speelt. En dan hebben we het over het respect van de mensenrechten bijvoorbeeld, of het proportioneel gebruik van geweld en dwang door politiediensten en het recht op veiligheid van iedere burger. Want dat is een zeer belangrijk aspect in onze samenwerking tussen federale politie en Enable, dat is dat veiligheid een mensenrecht is. Niet alleen voor de plaatselijke bevolking, maar ook voor onze Belgische bevolking.